S'il faut, on va les inviter à une réunion, à deux, c'est-à-dire histoire de discuter. C'est-à-dire, là, je la parenthèse ouverte. Par exemple, l'action de Varane de Fizi-Ouzou, elle a été médiatisée avec les militants, les activistes, etc. Par exemple, tout le temps, dans les carrés, parce que tu as les carrés divin, là où il a été Fizi-Ouzou. Donc, on ne parle pas de personne, mais on parle des gens qui viennent s'organiser. Il y a les gilets orange, la vigilance, il y a d'autres carrés, il y a des carrés de femmes, il y a des carrés de militants. Croyons, on va consacrer une journée, deux jours, on va les inviter. La forme d'organisation, croyons, mais nous connaissons un carré, on ne va pas faire pour l'instant un carré si vous voulez. Il y a un seul carré pour la Wila et Tizi Ouzou. Le chou de le carré, c'est la coalition de la société civile qui va englober. Donc c'est juste pour rajouter un peu à ce niveau-là. On va se réapproprier le terrain, c'est-à-dire le terrain de la nature à l'heure du vide. Il a de Vendagui. Et pour le deuxième volet, vigilance. Affrontement qui est état de siège, dans l'état de choses. Donc il a de la vigilance, elle sort de la chimie, elle nous rate de. Et communication. Ils ont confiance parce que toi, ce n'est plus les partis politiques. Les gens n'ont plus confiance ni aux partis politiques ni aux syndicats. Un syndicat des commerçants, vendredi, il ne nous appartient pas le vendredi. Il appartient à tout le peuple. Il doit rester dans le vendredi. Il doit rester le vendredi. Il doit La dernière manœuvre en date est l'instruction de Selarba à s'en aller usurper l'identité d'un pan entier de la société. Donc consolider les perspectives à travers l'alerte, la vigilance, la réflexion jusqu'au départ du système dans sa globalité. C'est les actions qui sont organisées durant les dernières semaines avant le 21, s'inscrivent dans la célébration du premier anniversaire à travers les relais traditionnels et les réseaux formants du régime. La dernière manœuvre en date est la grossière instruction de ces larbins. Coalition de la société civile de Tizi Ouzou. Depuis la désignation par la junte militaire d'un président illégitime, le régime algérien, dans son entêtement à vouloir se maintenir, n'a cessé de multiplier ses diaboliques manœuvres et ses machiavéliques entreprises visant à torpiller la révolution du 22 février 2019. Ainsi, le changement de façade n'a altéré en rien la nature répressive, antidémocratique et totalitaire des tenants du pouvoir réel en Algérie. Le régime continue ainsi à se rendre responsable d'arrestations arbitraires, de mise en mandat de dépôt en violation de la loi, de manipulations médiatiques et d'atteinte à l'unité nationale et à la cohésion sociale à travers les relais traditionnels et les réseaux dormants du régime. La dernière manœuvre en date est la grossière instruction de ces larbins à s'en aller usurper l'identité et le concept de la société civile, voulant ainsi s'approprier et falsifier une initiative de la vraie société civile qui a eu, elle, à subir les affres et les coups bas des mêmes contre-révolutionnaires et de leurs larbins. Interpellée, la véritable société civile dénonce et condamne cette civile manipulation et tient à réaffirmer son attachement à la révolution du peuple algérien, dans sa revendication principale, à savoir le départ du système dans sa globalité et l'édification d'un véritable état de droit qui passera par des mécanismes d'une transition démocratique réelle et souveraine. La révolution populaire étant à la veille de boucler une année de mobilisation, la coalition de la société civile de Tizi Ouzou, plus que jamais déterminée à se dresser en rempart contre toutes les impostures, appelle l'ensemble des forces vives de la région à rester mobilisées, mais surtout vigilantes, sur le terrain de la lutte jusqu'à la rupture totale et réelle avec le système. Par conséquent, la coalition de la société civile sera partie prenante de toute initiative allant dans le sens
de la pérennisation de la volonté populaire et appelle la population à participer massivement à faire de l'anniversaire de la Révolution un événement marquant. Tizi Ouzou, le 8 février 2020.